Papa Ballon, c'est mon premier album jeunesse que j'ai fait avec les éditions 2024, qui a eu le prix de la révélation livre jeunesse de l'ADRGP. C'est une histoire où tous les adultes se sont transformés en ballons un jour à l'autre. Avec Papa Ballon, je voulais ouvrir le champ de possibilités pour les enfants parce que dans la vraie vie ils subissent toujours des interdictions des parents je voulais aussi imaginer un renversement de rapport de pouvoir entre les parents et enfants j'ai toujours cette envie de voir les choses dans l'angle différent et pas en tournant moi-même mais en tournant le monde du coup en montrant dans un miroir dans un sens inversé. Pour les enfants, du coup, je voulais dessiner un peu euh, ce monde utopique finalement. Je voulais leur, leur donner ce plaisir de déguster la liberté et le pouvoir total sur le monde. Parce que dans le monde, finalement, personne ne s'est compté. Du coup, on donne tout ce qu'on veut et on partage tout, tout avec tout le monde. On peut jouer autant qu'on veut, on peut manger ce qu'on veut et tout. Une utopie à la portée des mains, on pourrait dire. Dès le départ, c'était un projet pour les enfants, mais je voulais que ça soit un livre qui peut être lu aussi par les adultes. Je voulais leur donner aussi cette respiration de sortir des rôles de parents d'être juste un simple ballon qui flotte qui sont impuissants mais pour comprendre un peu les enfants à leur place. Je voulais donner un multi sens de lecture dans mon livre. Pour Papa Ballon, c'était nécessaire d'accompagner les images avec le texte. J'ai écrit comme ça au début. En fait, je pensais que j'allais avoir de l'aide d'écriture après, en biais de mes éditeurs par exemple, pour faire la retouche de texte. Finalement, quand j'ai montré le texte, ils ont dit Oh non, c'est très bien comme ça, et on laisse comme ça. Parce que j'ai des écritures qui vont direct au but et qui étaient apparemment parfaites pour raconter une histoire pour les enfants. Pendant mes études d'enfance, j'avais envie de trouver ou retrouver mon style à moi. Du coup, je commençais à chercher un peu des outils qui peuvent me limiter, qui peuvent donner des contraintes dans les gestes de, de dessin. Et petit à petit, je suis arrivée à essayer d'utiliser des règles d'architecture dans les dessins, dans les illustrations et la bande dessinée. Et j'ai essayé ça et c'était très bien parce que... Moi qui savais dessiner plutôt réaliste, et dès que j'utilisais ces outils qui me limitent dans les mouvements, et ça donnait des formes que je n'aurais pas fait tout seul. Je n'aurais pas fait moi-même quand j'avais pas ces contraintes. Et comme ça, j'ai trouvé un peu ma voix ou mon langage graphique. je me retrouve à dessiner tout avec les ronds. Et finalement, c'est bien pratique parce qu'on peut mettre pratiquement toutes les choses qui existent sur Terre euh, avec un seul ou beaucoup de ronds. C'est amusant ce jeu de trouver des solutions euh, avec des outils qui ont des limites très prononcées. Dans pique, j'utilisais plutôt les règles, règles tout court et euh, des perroquets, un outil qui est aussi utilisé dans les dessins d'architectes ou euh, dans les dessins de mode, qui permet de tracer des courbes euh, grandes et longues. Le style de dessin de Papa Ballon, c'est un style aujourd'hui qui est vraiment euh, propre à moi, mais... Euh, autant que mon style de dessin en plume et l'encre, mais pour moi, ils sont pas si différents que ça. J'essaie de faire exister dans plusieurs formes différentes aussi. J'avais imprimé sur le tissu, par exemple, pour faire une échappe. Mon dessin, souvent qui est géométrique et très rigide, et qui est imprimé sur un support souple, ça donnait une autre dimension. Et parfois, je fais des petites animations aussi. L'année prochaine, il y a des projets que j'écris plutôt que dessiner. Et il y a aussi des projets que j'écris et j'illustre. En dehors de, de l'édition, j'aimerais toujours continuer aussi dans les expérimentations de dessins, pur dessin aussi. J'aimerais bien essayer des peintures, par exemple, ou des dessins plus grands formats ou encore plus petits formats. Et voilà, essayer de peut-être trouver une nouvelle veine graphique qui sait que je vais tomber sur une nouvelle invention. <laughs> qui n'a pas encore été fait, j'espère.